Objet nombre SCP-278. Grosse araignée mécanique. Classe tueur. Procédure de confinement spéciale. Si ces commandes ne sont pas modifiées, SCP-278 tissera sa toile dans un grand espace ouvert faiblement éclairé, préférant les perchoirs en hauteur triangulaire, inclinés à 90 degrés et définissant un volume de 300 mètres cubes. Les membres du personnel chargés de le contrôler signalent que le pilotage de SCP-278 est étonnamment facile, considérant la complexité des mécanismes impliqués et de l'absence de tout guidage électronique. Description : SCP-278 est un grand robot mécanique fait d'acier, de fer et de bois de banyan, ressemblant fortement à Eligios barcudensi, un type des arachnides indiens. Des signes manifestes montrant que SCP-278 a été amélioré ou modernisé récemment ont été découverts. Les mécanismes de base et la charpente du corps sont datés d'il y a environ 150 ans, à la période supprimée, de nombreux composants mécaniques modernes ont été ajoutés par un ou plusieurs individus non identifiés. L'hydraulique et les servocommandes semblent avoir remplacé ce qui était des systèmes de poulies et des dispositifs enclenchés par des machines à vapeur. La longueur moyenne de SCP-278 est d'environ 16,5 mètres 54 pieds de l'opisthosome et l'abdomen à l'extrémité de la patte la plus éloignée et la partie la plus élevée du corps central se trouve à 8,2 mètres 27 pieds environ du sol. Un panneau de commande composé de leviers et de pédales a été placé sur ce qui correspond au milieu du céphalothorax sur le dos de SCP-278. À nouveau, de nombreuses modifications ont été faites sur le panneau de commande, qui ont particulièrement simplifié le système de contrôle en une configuration manche et manette similaire à celle d'un avion, configuration bien plus conventionnelle. Bien que SCP-278 ne possède pas de composantes électroniques, de processeurs ni de câblage au-delà de la présence de quelques dizaines de batteries de voitures, les mouvements complexes de locomotion multipède sont entièrement automatisés par un réseau complexe de boucles d'ancrage, de combinaisons de poulies, de courroies et de pistons hydrauliques. Le composant opérationnel le plus ancien de SCP-278 est une sorte de transformateur de puissance et s'appuyant sur plusieurs tambours perforés rotatifs et sur des bobines pourvoyant différentes instructions en entrée pour les commandes de mouvement. Un opérateur humain s'occupant des contrôles se charge essentiellement de modifier la disposition des engins pour réajuster la configuration et la position des tambours de contrôle ainsi que des bobines, qui transmettent le rythme du mouvement aux pattes indispensables au déplacement de SCP-278. Bien que certains détails du contrôle de SCP-278 demeurent flous, les chercheurs restent perplexes devant l'autonomie dont SCP-278 fait preuve en l'absence d'une intervention humaine. On ignore comment SCP-278 est capable de se déplacer et de réaliser des tâches complexes seul sans opérateur, le plus impressionnant étant la fabrication d'une toile élaborée, faite de filins de nylon, semblable à des câbles extenseurs, et faisant preuve d'une grande résistance à la traction. Les fils sont constamment stockés et réutilisés depuis la découverte de SCP-278, la toile typique ayant un diamètre d'environ 41 mètres. Addendum, SCP-278 s'est échappé de sa cellule de confinement le 2 septembre 2008 lorsque SCP s'est échappé de sa propre cellule, neutralisant l'infrastructure se trouvant à supprimer. Pendant la nuit, SCP-278 a parcouru supprimé kilomètres jusqu'à Liverpool en Angleterre, où il fut trouvé, positionné verticalement, à l'envers, sur le côté d'un bâtiment connu sous le nom de Concours Ouse. Les membres du personnel de la Fondation, se faisant passer pour une troupe de théâtre, ont présenté SCP-278 aux civils comme la princesse, vitrine d'une production théâtrale. Contrôlé par des opérateurs humains, SCP-278 a défilé dans la ville sous couvert d'un spectacle.